Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour réaliser le bijou du mois de septembre. Donc j'ai décidé de le réaliser sur le thème Animal Crossing. J'ai fait avec vous les dessins, par contre le coloriage, la mise en couleur, je l'ai faite toute seule par la suite puisque sinon ça aurait été une vidéo bien trop longue. Bref, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage! Pour commencer cette page de garde, donc j'ai décidé de faire le logo principal, donc la planche avec l'écriture Animal Crossing, sauf que j'ai remplacé Animal Crossing par septembre 2020. J'avais ajouté Nook et Marie, puisque pour moi Animal Crossing c'est quand même Nook et Marie en priorité, puisqu'ils sont dans tous les Animal Crossing, enfin je crois. Ensuite, je trouvais ça un peu vide, donc du coup j'ai rajouté les feuilles d'automne, puisque septembre c'est quand même le thème de l'automne. J'ai rajouté un petit champignon aussi et j'ai rajouté Miro puisque je trouvais que ça faisait vide, donc du coup j'ai décidé de rajouter petit Miro. Pour les pages suivantes, donc ma vue mensuelle comme d'habitude, donc j'ai décidé d'écrire septembre 2020. Et cette fois-ci, plutôt que de mettre le personnage en entier, puisqu'il y a beaucoup de personnages que j'aime énormément, j'ai décidé de mettre que les têtes. Donc j'ai mis la tête de Philibert et de Molly, toujours avec des petits rappels d'automne avec le gland, la feuille d'Animal Crossing, et j'ai mis aussi un petit tronc d'arbre avec des petits champignons dessus. Pour les doubles pages suivantes, donc c'est mes dépenses, comme je le fais tous les mois. Ça n'a pas changé, c'est toujours les mêmes tableaux. Donc un tableau avec tous les prélèvements, je coche lorsque c'est fait. Un tableau avec ce qui reste sur le compte. Et sur la page de droite, le tableau des dépenses, un peu comme le compte bancaire, pour que je sois à jour et que je n'oublie rien. Pour les dessins, pas beaucoup de dessins, je la trouve un peu vide cette double page, mais j'ai quand même réalisé donc deux têtes, une tête de Linette et une tête de Capri, donc deux de mes chouchous. Et aussi, donc encore une fois, une feuille, un petit gland pour rappeler l'automne. Et pour finir, donc la double page to-do list, puisque maintenant c'est comme ça que je m'organise, avec une to-do list par semaine, un côté perso, un côté pro. Donc les dessins, toujours un gland, une feuille pour rappeler l'automne. Et donc deux petits personnages, un de chaque côté, donc Cookie pour le côté perso et Myrtille pour le côté pro.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel thème vous avez choisi pour ce mois de septembre. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous!